Salut les gars, merci. Donc aujourd'hui on est à Annecy de retour chez Estampille avec Morte et Théo. Voilà. Donc une petite présa. Vous faites ça depuis combien de temps? C'est Théo qui a ouvert le shop. Ouais, ça fait maintenant depuis 5 ans que Estampille ça existe. J'ai ouvert tout seul à la base et puis Gérard m'a rejoint il y a 2 ans et demi. Ouais, presque 3 maintenant. Presque 3, ouais. Mais il était un peu en mode sous-marin au départ. Ouais. Je l'ai pas mal aidé et puis après, il s'est enfin lancé dans la grande aventure du tatou et à faire que ça. Ouais. Trop bien. Enfin, pas faire que ça, mais non, c'est quasi une grosse partie. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est un peu le but. Hein. Ouais. Ah ouais. Mmh. Alors, ce que je suis hyper content de qu'on fasse ce truc aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas, tous les deux, vous faites partie des gens qui font des nouveaux styles dans le tatou, tu vois, qui ne sont pas des styles traditionnels. Donc ça, c'est absolument super. Et surtout, vous avez réussi à graphiquement à vraiment, faire avec le tatou et ses contraintes. Et donc du coup artistiquement, c'est quoi un peu votre formation chacun avant le tatou en fait? Bah moi j'ai fait une école de design dans ma jeunesse. Ok. Pour au final parce que j'étais pas mal attiré par le dessin d'objets, par le graphisme, par tout ce côté là. Puis je m'imaginais plutôt dans une structure un peu commercial au départ, faut le dire, et puis voilà, donc j'ai fait une école de design et puis après ensuite moi j'ai bossé chez Salomon en tant que designer, directeur artistique, donc voilà, c'est un peu mon parcours d'avant le tatouage. D'accord. Ouais. Et du coup qu'est-ce que tu trouves cool avec le tatou, c'est l'accès direct au client, c'est quoi? C'est complètement ça en fait. C'est que moi j'ai toujours mené une carrière artistique en parallèle de mon métier. Ouais, bien sûr. Pour avoir un peu plus de liberté. Et puis ce que je m'attendais vraiment, enfin je m'attendais à aimer ça, mais pas autant, c'est d'avoir un peu de challenge et des journées différentes tous les jours. Et ça c'est quand même complètement éclate. Quoi. Mais tu vois, quand tu es musicien, un peu comme toi quand tu es designer, c'est-à-dire que tu crées ta chanson ou ton truc en te disant putain ça va plaire, tu vois. Et ce que j'ai adoré avec le tatou, c'était cette réaction directe. Ouais, c'est instantané. Tu vois, t'as fait un truc, boum, ouais, trop bien. Retour tout de suite, c'était tellement positif. Quoi. Ouais. Et toi, du coup, Théo, tu... Bah moi, ça, c'est pas la même histoire. Enfin, si, je suis graphiste. T'étais chez Fischer? Non, mais j'étais un graphiste aussi. J'ai eu des écoles de design, mais j'ai fait plus. J'ai déjà fait une licence Infocom qui avait rien à voir, mais qui était dans l'art contemporain, tu vois. Et après, j'ai fini sur Lyon. Et à partir de Lyon, en fait, j'ai fait une école multimédia et j'ai eu un apprentissage avec Anti The Skateboard, tu vois, c'est le skateboard qui m'a un peu amené sur le truc du tatouage. C'est là où on s'est connus en fait. Bah, tout à fait, voilà. Une dizaine d'années en arrière. Ouais, tout à fait. J'étais en stage chez Antise et puis on était voisins. Et du coup, Salut. Et puis, en fait, c'est après, je suis tombé dedans aussi avec les rencontres et. Puis avec aussi les premiers conseils de toi et de Zeyo à l'époque. Grâce au skateboard justement. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, non? Et c'est un peu après, quand on commençait les expos un peu plus avec Art by Frame, parce que JR faisait partie aussi d'un collectif d'artistes sur Annecy, ouais. Qui ont ouvert le local là-bas. J'ai fait un événement avec eux. On s'est rencontrés. Voilà. C'était pas le même? C'était le premier, je crois, c'était l'événement à Genève. C'était pas avant? Non, c'était à Art by Frame que je t'ai vu la première fois. Après, voilà, on s'était croisés et puis... Et c'est un peu grâce au skateboard que je me suis mis au tatou, tu vois. Ouais. Bah oui, bien sûr, trop bien. Et du coup, moi, je viens du tatou dit traditionnel, quoi. Et donc, je suis très, nourri par... ce que la globalité fait, et vous qui avez eu des... Enfin, qui venez d'avoir été professionnel avant de faire ça, du coup, comment vous gérez vos semaines? Est-ce que vous dessinez
une partie de la semaine et vous tatouez qu'une partie de la semaine, ou toutes les ou tous les jours ça dessine, ça tatoue. Comment, enfin toi par exemple d'avoir été directeur artistique, est-ce que moi en fait je prends beaucoup de plaisir à dessiner tout le temps parce que j'avais un peu perdu dans mon métier d'avant et du coup alors en ce moment c'est particulier, je fais des semaines de 6 jours sur 7 de tatou parce que j'ai un gros projet familial voilà et du coup il me faut des rentrées d'argent et du coup je me suis mis à fond là-dessus et j'ai un bon rythme de dessin tatou. Donc tu dessines le matin par exemple? Ouais, je dessine ou le matin avant le rendez-vous ou le soir quand les enfants sont couchés. Et oui, on a tous les mêmes contraintes. Voilà. Donc ce que j'aimerais faire moi pour évoluer, enfin pour m'organiser un peu mieux, c'est plutôt d'avoir, comme tu dis, un jour dédié au dessin des projets de la semaine. Ok. Et ensuite pouvoir être un peu plus fluide sur le. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et toi? Ça dépend des périodes en fait. Là, on va dire qu'après la reprise du travail après le confinement, ça débarouille un petit peu. Donc, on va dire que c'est du dessin tous les jours et puis du tatou tous les jours pratiquement. Okay. Après, là, ça s'essouffle un petit peu parce que c'est la début de l'été. Les terrasses. Les terrasses rouvrent et les gens viennent de se baigner et tout. Là, ça c'est par période et des fois, moi, quand c'est un peu plus calme, j'aime bien avoir mon temps que pour dessiner mes flashs. Prendre que ça et justement faire un jour projet, un jour flash et après s'il y a des jours de pic c'est souvent en fin de semaine et voilà comment je fonctionne un peu. Mais c'est par période et des fois c'est tous les jours, tu dessines le matin, tu tatoues l'après, ça dépend après des projets aussi, des bien fois sûr. Quand c'est du custom, c'est du petit projet, ça peut être assez rapide. Et du coup les gens ils vous contactent, c'est un street shop, c'est privé? Alors c'est un mi street shop, mi privé, mais les gens peuvent quand même passer à l'improviste, même quand on tatoue, c'est un petit cocon, donc on n'est pas visible de l'extérieur, donc c'est ça qui est, il faut nous découvrir, donc on n'a pas toutes les demandes des badauds, qui demandent juste le signe de l'infini, des choses comme ça, ou tout le temps, où ils viennent avec leur glace, leur môme, le chien, enfin tu vois, c'est... La poussette. Ouais, voilà. Ouais. Nous, comme c'est assez cosy, c'est assez petit, en fait, les gens, quand même, ils s'intéressent d'abord à notre travail via les réseaux, tu vois. Instagram, genre. Instagram, ouais. C'est ça. Vous avez un site, peut-être? On n'a pas encore de site. On en parle, ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Moi, mon site, il marche très très fort. Vraiment. Ouais, okay. Et souvent quand je demande aux gens, c'est le site, c'est là où ils craquent. Tu vois, c'est là où il y a le formulaire, tu sais, il y a un formulaire de contact, je reçois beaucoup de mails par ce formulaire. Tu vois, je pense que c'est la couche de vernis professionnel. Tu vois. Ouais. Ils te suivent sur Instagram, ça se voit parce que je vois qu'ils likent et tout ça. Tu vois. Mais le moment où ça craque, c'est quand ils... Puis c'est peut-être pour regarder vraiment, tu sais, pour prendre sa décision finale, peut-être c'est pas mal un site. Ouais. Après, c'est plus complet, ça permet d'avoir une vraie vitrine, quoi, je pense. Ouais, c'est pas faux ça. Ouais. Ok. Et du coup, vous avez tous les deux un univers nouveau pour le tatou, quoi. Et comment vos influences majeures pour le boulot, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui vous regardez que du tatou ou c'est toujours global sur d'autres médiums, d'autres artistes, d'autres... Toi d'abord. Moi je regarde du tatou, ouais. Je regarde aussi beaucoup de bouquins, comme je fais de la gravure, des bouquins de woodcutters célèbres comme Dürer, c'est le plus connu pour moi, mais qui est un maître. Et puis après, y a quand même les expos, on regarde quand même ce qui se passe dans la rue aussi, qui est important, je trouve. Bien sûr. Et puis moi, au final, je regarde aussi encore beaucoup de skate, du coup, des fois, ça m'influence encore, il y a la musique, enfin, je pense que c'est un melting pot, en fait, de pas mal de choses. Ouais, mais je trouve, je connais pas mal d'artistes, on va dire, qui sont devenus tatoueurs, et ils se font happer, tu vois, par le tatou, et d'un coup, tu sais, il faut regarder plus que ça, et tout ça, et souvent, ça stérilise un peu. Complètement, je suis vraiment d'accord. Tu vois, ils avaient un truc frais en fait, et puis d'un coup en fait ça s'étrique, tu vois, ouais. ça devient
neutre en fait. Ouais, complètement. Ouais. Enfin, moi je suis un peu influencé par pas mal de trucs aussi. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est art contemporain ou pas contemporain d'ailleurs, mais j'aime beaucoup tout ce qui est démarche artistique, donc je passe beaucoup de temps à regarder tout ça et j'évite quand même de trop regarder de tatou et surtout de regarder trop de tatou qui pourraient ressembler à ce que je fais. Pour pas être dévié, pour pas être influencé par des pattes qui sont similaires mais pas exactement la mienne, et j'ai pas envie de prendre non plus des chemins qui pourraient justement m'éloigner de fraîcheur, ou en tout cas de ce que je suis et de ce que j'ai envie de faire. Et je m'amuse pas mal en fait à prendre des projets vraiment différents, parce que je trouve que ça apporte une richesse aussi au quotidien d'accepter un peu des challenges, des trucs qui sortent un petit peu de la routine, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, vous êtes plutôt tablette, plutôt calque? Comment vous gérez un peu vos... Vous savez, dessiner au feutre, au point marqueur? On est un peu tombé dans la tablette, je pense. Ouais. En fait il y a un côté qui est tellement pratique et puis tellement, c'est quoi, tout avoir au même endroit, ouais, c'est ça. Même pour aller faire des guesses à droite à gauche, moi j'arrivais pas avec mes feuilles à dessiner dans le train, c'était une catastrophe. Et là les 4-5 heures de train, on peut les passer à dessiner. On a juste la tablette à transporter et puis on a tout sur place. Et puis avec les logiciels qu'il y a maintenant, c'est assez bluffant quand même. Qui est toujours fait de l'ordi ou du graphisme, on a un outil qui est complètement abouti, je trouve, là-dessus. Quoi. Ah ouais, bien sûr. Complètement bluffant. Alors après, je pense que Théo comme moi, on aime bien dessiner à la main, se refaire un bout de mur dans le shop. C'est un effort maintenant de prendre le temps de le faire. On a plus de facilité à sortir la tablette, à dessiner directement dessus. Ouais, un bout de papier, un bout de feutre, c'est quand même cool. Quoi. Et puis on n'est pas des vieux tatoueurs, mais on commence à ajouter un peu de freehand sur 2-3 trucs, donc mixer un peu le stencil. Et puis après les motifs qu'on fait continuellement, essayer de les faire au freehand pour que ça épouse mieux le corps. Mixer un peu les découpes. En plus, c'est un style un peu de collectionneur quand même, ce que vous faites, tu vois. Ouais. Donc essayer d'éviter, de gâcher de la place et tout ça. C'est vrai que des fois, des petits coups de feutre. On pense toujours à ça quand, en général, les gens qui viennent, ils ont des belles pièces de pas mal de gens. Et des fois, c'est pour combler des tout petits espaces. Et comme on s'amuse en plus à faire à peu près toutes les tailles, on fait pas que du gros, on aime bien faire aussi du petit pour faire des petits fillers, des petites choses comme ça. Du coup, c'est vrai que c'est... On est un peu plus axé sur la collection et on essaye de minimiser en fait les espaces, tu vois, pour plus tard, si jamais ils veulent continuer dans leur collection, qu'il y ait le bon espace pour que ça marche bien, etc. Ah ouais, trop bien. Et du coup, dans votre dans cette nouvelle génération dont vous faites partie, il y a beaucoup de flash, ouais. Voilà. Et est-ce que quand vous faites des flash, est-ce que c'est pour orienter les gens vraiment vers ce que vous voulez, ou est-ce que les gens se jettent dessus et prennent tel qu'il est, ou c'est un point de départ pour donner envie aux gens, ou c'est un peu des deux? C'est souvent, ils les prennent tels qu'ils sont. Hein. Ouais, et puis c'est un peu des deux aussi, des fois. Ouais. Après, c'est suivant comment on peut l'adapter. J'ai une demande de taille spécifique, ouais. Tout ça, mais... C'est souvent au gré de nos envies, en fait. Moi, quand je fais un flash, je pense pas forcément à le vendre. Enfin, On a envie de le faire, mais c'est un truc que tu as envie de dessiner sur le papier, enfin de dessiner sur la tablette ou n'importe quoi, mais c'est une envie particulière. Des fois, en plus, je fais des trucs un peu bizarres où il y a des têtes découpées, des machins, enfin tu vois, des trucs. Bien sûr. Je sais que c'est pas ce que les gens vont raffoler tout de suite, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est ce que je trouve beau dans le flash, tu vois, par rapport à tout. J'en parlais avec Yanis, tu sais, il y a toute cette génération du Redraw. Où les mecs prennent un truc qui existe, ouais. Et en fait je trouve que ce qui est beau en fait dans le flash, même si moi ça existe pas trop dans mon style, c'est justement que toi tu as eu une envie, un désir, tu as mis ton cœur dans quelque chose, et en fait tu proposes ça à quelqu'un, et quand cette personne a un coup de cœur, c'est un truc qui est chouette là-dedans. Ouais, c'est super bien.
il se le réapproprie d'une certaine manière, tu vois, puis il crée son histoire autour de ce dessin que toi tu as fait à un moment donné et que tu avais envie de dessiner et que tu avais envie de le mettre sur le papier. Et quand tu le vois sur le papier, c'est cool. Et quand il y a vraiment quelqu'un qui l'aime et qui ça lui fait penser à un souvenir ou à quelque chose comme ça, ça veut dire que ça a marché. Quoi. On est fiers même de le faire. C'est pour ça que des fois, même on se casse bien la tête sur nos flashs. On t'a envie de le reproduire tel quel. Enfin, tu vois, c'est. Quand tu fais des choses, on va dire, à la ligne, il n'y a pas de blague. Quoi. Ouais, chaque ligne a sa. Comme moi, tu sais, il y a des fonds, tout est très chargé, donc il y a même une espèce de souplesse, même tout au long du tatou, tu sais, tu peux décider que finalement ça sera bien plus foncé que ce qui était prévu ou pas, ou parce que sur le moment, t'as cette envie, tu vois, là où vous, ça doit être comme c'est parce bien que bien. Chaque ligne a son importance. Bien sûr. Et du coup, vos influences, globalement, c'est qui, c'est quoi? En termes de... Pour le boulot, quoi, qu'est-ce que... Moi, j'ai plein de trucs. Je passe mon temps à regarder des trucs. Non, moi, en ce moment, je regarde beaucoup les illustrations art déco, art nouveau. Mm-hmm. Que je trouve qu'il y a une fluidité, une légèreté. Et puis, c'est un style ornemental qui est pas trop visible dans le tatou d'aujourd'hui. Et qui appartient un peu à la culture européenne, en tout cas. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui sont en plein d'autres cultures, asiates, donc c'est super intéressant et tout. Mais je trouve que le côté un peu de trouver de l'ornement France, Europe, il y a des trucs qui sont vraiment mortels. Hein. Il y a des bouquins, même sur du dessin d'objets à l'ancienne, du flacon de parfum, du cristal, tous ces objets-là qui étaient à l'époque dans des catalogues dessinés et tout. Enfin, les encyclopédies un peu, tu vois, des images. À chaque fois, c'est ultra bien dessiné, ultra bien proportionné. Donc, vraiment, il y avait un savoir-faire de dessin qui était très précis et ça s'adapte en plus assez bien au tatou, puisque c'est souvent en une seule couleur, c'est souvent en trame de points, en trame de traits. Donc, c'est des choses qui s'y prêtent bien. Donc, je regarde beaucoup ça, je regarde beaucoup comment c'est travaillé, comment c'est ombré, comment c'est... Qu'est-ce qui rend ce truc magique, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, après, je suis fan de tout ce qui est illustration ancienne, que ce soit des affiches de cirque. J'ai trouvé plein de trucs récemment qui sont complètement barrés. Je passe mon temps à dériver sur des choses. On m'offre pas mal de bouquins, je lis beaucoup. Tout ça qui m'influence. Et puis, paradoxalement, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est graffiti, vandalisme. Et du coup, j'aime bien les mélanges de tout ça. La sauvagerie de tout ça. Ouais, c'est complètement sauvage, complètement spontané. Ah, bien sûr. Et pour toi, alors? Alors, moi, je regarde quand même beaucoup de tatous. Moi, je suis un peu influencé par les Anglais. Tout ce qui est Duncan, Liam Spark, et il y en a un que j'ai découvert il n'y a que 2 ans, c'est Robert Ashby, qui est à Manchester, je crois. T'as un cadre là-bas, là, avec le léopard, et je trouve qu'ils ont un flow dans la gravure, ils ont un flow, je sais pas, il y a un truc historique qui se passe, qui se dégage. Et j'aime bien ce côté un peu punk où tu vois, ils osent mettre, je sais pas, une typo vraiment brute. Ils n'ont pas de limite. Il n'y a aucune limite. Ouais. Et j'aime bien le reprendre pour pouvoir des fois mettre des pièces qui n'ont rien à voir ensemble, tu vois. Et ça m'influence beaucoup quand même quand je fais mes flashs. Mm-hmm. Et puis après, ce qui m'influence toujours, c'est le skate et la musique. Ouais, la musique, ça nous influence pas mal. Ouais, voilà. À fond de métal, toujours punk, et puis j'aime de temps en temps le rap, mais à petite dose, mais tout ce qui sort un peu de la rue, en général, ça stimule. Mm-hmm. Même juste des fois, le fait quand moi je viens souvent au skate au shop, tu vois toujours des trucs qui se passent dans la rue, et c'est vrai que c'est assez stimulant, et que maintenant sur Annecy, grâce avec des collectifs comme Art My Friend, maintenant, on a de l'art dans la rue. Ouais, ça bouge beaucoup. Ouais. Mmh. C'est la bonne nouvelle.
Ah, bien sûr. C'est assez récent, mais c'est cool. C'est assez respecté. Je pense que les gens ont compris qu'il y avait un... peut-être un truc aussi intéressant là-dedans. Ouais. Que c'était pas juste du vandalisme. C'est clair. Maintenant, ça marche avec la mairie, ça marche avec ces structures-là. Donc c'est qu'il y a un vrai intérêt. Cool. Ouais. Et au-delà de tout ça, du coup, comment, quand il a fallu passer au tatou, il n'y a pas 150 manières de tatouer. Qu'est-ce que vous avez choisi, quoi? La rotative, la traditionnelle? Vous faites les deux? Qu'est-ce qui vous a... On a commencé avec des coils. On a recommencé avec des coils. Ouais. On avait des Lucien Capsman, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'avais une Kiera. Et puis en fait, au fur et à mesure de nos tatous, de la progression et tout, je recherchais toujours la ligne pour que ça soit nickel, comme la gravure. Et là, on est passé à l'hybride un peu rotative avec le mouvement d'une coil. Avec des Dan Cubin. Avec des Dan Cubin, Des Cubin, des Pintos. Et toi aussi, du coup? Ouais. Moi, j'ai essayé une fois sa machine et puis après, j'en ai acheté la Et puis, c'est surtout que j'ai eu un souci à un moment avec ma main droite et l'école, j'arrivais plus à la tenir. Ouais. Donc, je cherchais quelque chose de plus léger qui envoyait bien aussi. Comme moi, je suis passé à la rotative à cause de ça. Il y a peut-être 11 ou 12 ans en arrière, tu vois, mais c'était la. C'est par défaut, quoi. Alors aujourd'hui, j'adore, tu vois, mais c'est vrai que... Au début, c'était par défaut. C'était par défaut, parce que je finissais et j'étais bloqué, quoi. J'enlevais la machine avec... Enfin, c'était terrible. Et c'était pas... En plus, c'était le début des tubes jetables, et c'était pas aussi rigide. Donc t'étais un peu obligé de t'agripper dessus comme un... Tu vois, du coup, t'avais plein de tensions qui étaient... Qui étaient pas comme... Enfin, c'était pas optimisé, ni optimisé... optimisable comme c'est aujourd'hui, tu vois, même la Dan Cubin, tu vois, c'est hyper équilibré quand tu vois complètement, c'est bluffant. Et du coup, forcément, tu te fais moins mal parce que t'es pas toujours en train de tirer dessus, tu vois, c'est ça. Ouais. Du coup, jetable, cartouche. Jetable aujourd'hui. Ouais. On a un tout petit shop, donc on n'a pas l'espace pour stériliser. Mais je veux dire, vous n'avez pas un manchon sur la Dan Cubin auquel vous mettez des cartouches dessus? Non. On est à l'ancienne avec les billes traditionnelles et la buse jetable. Ok, cool. Et je reviens un peu au tatou, on va dire, direct. Il y a des testeurs et des gens qui sont très très routiniers. Et du coup, vous faites partie un peu de quelle famille? Un peu des deux? Je pense que c'est par période. Ouais. Des fois, on est routinier parce qu'on a trouvé un truc qui nous plaît bien. Et là, je suis dans la période où on a repris des nouvelles aiguilles, je suis en train de changer tout mon setup. J'aime bien tester des trucs. J'aime parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on est loin de tout connaître et que du coup, il faut tester. Pareil, j'ai jamais essayé le gros pen là, rotatif, mais j'essaierai bien juste pour savoir ce que c'est, quoi. Plutôt testeur. Après, c'est vrai qu'on a nos setups qui marchent, aujourd'hui on sait exactement ce dont on a besoin pour faire nos tatous, mais pourquoi pas essayer des trucs toujours. Parce qu'il est trop bien, tu vois, Ben aujourd'hui il s'est posé à côté de moi pendant que je tatouais. Et il savait pas que sur le... Du coup, moi, j'ai ce fameux pen. Et qu'est-ce que instantanément, tu peux régler la sortie d'aiguille. La hauteur de ton gap. Et il dit, mais en fait, c'est trop bien, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me manquerait le plus. Tu vois, je serais là, parce que c'est tellement pratique. C'est pas la machine en elle-même que j'adore, c'est cette particularité-là qui est trop bien, tu vois, quand tu fais des dos, quand tu es dans le mou, tu sors un peu, quand tu es dans le mur, tu vois. En fait, tu gagnes un temps qui est absolument génial, tu vois. Je pense pas que c'est aussi bien, enfin que c'est mieux qu'une Dan Cubin ou
ou autre chose ou qu'une trad. Ouais. C'est juste que cette petite particularité. Moi, je pense qu'il n'y a pas de machine meilleure que les autres. C'est juste que c'est ta façon, enfin, comment tu tatoues et qu'il y a des outils qui s'y est mieux que d'autres. Ouais, c'est pas faux ça. Ouais. Et voilà quoi. T'essayes de trouver le truc, l'outil au mieux qui va marcher avec toi. Après que tu sois en colle, en rotative, en tant que le résultat du tatou et tout le truc chambé à la fin, franchement, moi je suis pas dans cet esprit où ouais, il faut être tradit, vas-y on fait que de la colle, machin. J'aime bien justement que les gens ils touchent à tout quoi. Je parle au niveau des tatoueurs. Ouais, hein, carrément. Pas rester enfermé dans un carcan, je suis pas forcément pour. C'est bien de s'ouvrir un petit peu, je pense. Et ben écoute, naturellement tu auras ma prochaine question. Parce que c'est vrai que vous venez pas directement, on va dire, du tatou, tu vois, de l'école un peu, pas qu'un peu, mais complètement traditionnelle. Et du coup, est-ce que vous personnellement, vous retrouvez dans ce tatou français aujourd'hui, ou vous avez l'impression d'être à part, ou d'en faire partie, ou de pas vouloir en faire partie? C'est une question plus subjective, hein, tu vois. Ouais, bah aujourd'hui la scène elle est tellement large que ouais, moi j'ai l'impression d'en faire partie, j'ai l'impression de proposer des choses qui. À partir du moment où on a des clients et qu'on bosse, je pense qu'on fait partie du game, quoi qu'il arrive. Ah, bien sûr. Donc ouais, non, j'ai plutôt l'impression de faire partie de la grande communauté de tatoueurs. C'est peut-être pas juste titre, mais en tout cas. Non, mais il n'y a pas de... je sais bien, après, je me sens... Bah, tu vois, typiquement, j'ai déjà rencontré des tatoueurs qui disent « Moi, je ne veux pas faire de convention parce que ça ne me plaît pas ce qui se passe dans les conventions, je trouve que c'est pas bien et tout ça. » Et alors que, pour moi, c'est une partie du boulot, tu vois. Je trouve que c'est triste de se couper de ça parce que c'est un endroit où tu vois des gens faire. Ouais, il faut juste choisir ces bonnes conventions que tu as envie de faire. Nous, on n'a pas fait beaucoup, tu vois, on a fait que celle de Genève pour l'instant. Bon, après, là, ça fait une année que ça. Puis comme on est des jeunes tatoueurs, donc forcément, on voulait cibler certaines choses. Mais ouais, nous, on n'est pas forcément contre, mais après, on n'est pas forcément pour d'en faire tout le temps. On aime bien aussi aller dans les shops, ouais. Aussi dans d'autres shops pour aller voir justement comment ça se passe, faire des guests, ça on kiffe bien. J'aime les confs parce que j'aime ce côté un peu foufou, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu le folklore du tatou, tu vois, ça fait partie intégrante du tatou, et c'est normal que ça reste, tu vois. C'est vrai que... Oui, c'est exactement ça, c'est une image, enfin ouais, le folklore, c'est un bon terme. Ouais. Ah ouais, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc et c'est bien d'en faire justement, et pour savoir ce que c'est justement. Et puis non, mais après ouais, c'est sûr que moi le guest par contre c'est... Et du coup vous allez où en guest? Moi je suis beaucoup sur Paris comme je suis d'origine parisienne. Donc beaucoup là-bas et puis après à droite à gauche là j'ai fait... j'essaie d'aller dans des endroits où je peux... voir aussi les copains, la cible c'est un peu côte atlantique, j'ai fait Biarritz et puis on a mis plein de trucs à l'arrêt, on devait aller dans le sud avec Théo, c'était compliqué ces deux dernières années mais toi tu vas beaucoup Là moi j'ai fait pour la première fois Bruxelles et ça m'a beaucoup plu. Du coup j'y retourne au mois de septembre. Il y a un niveau de tatou aussi. Ouais, là c'est The Kid et tout ça, les copains, là, les mecs ils ont des styles. Enfin je trouve que c'est une ville out of the box, tu vois, c'est où les mecs sortent des... Ouais, ça a l'air, je connais pas, mais ça a l'air. Les tatoueurs là, tu vois, là-bas, t'as l'impression du champ des possibles. Ouais. Donc je comprends que tu te sois... Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis non, j'aime après en France, Lyon, parce que moi j'ai vécu pas mal de temps, il y a toujours les copains aussi. Paris aussi un peu de temps en temps. Et Lille, t'étais pas mal. Ouais, Lille aussi, ouais. J'aime bien. En fait, petit à petit, je pense qu'il va falloir que j'aille à Londres et en Angleterre. Ah bah ouais. Parce que. C'est autre chose. Hein. Ouais. Je connais bien du coup. Ouais. Mais pour. Voilà. Mes premières vraies, claques professionnelles.
C'est rien que la clientèle différente. Il fait moi putain de truc là. Je dis ah non, mais t'es sûr Bah ouais, mec, et tout. Et tombe le t-shirt, mec, il est rempli comme un tatoueur. Ouais. Ah ouais, d'accord, je me souviens d'avoir fait un crabe, tu sais, un Aikigami là, dans un coup, tu sais, un gars, il avait un. Il était concessionnaire, quoi. Ouais. Je dis vraiment, t'es sûr Ouais, machin. Et en fait, il faisait un mois par an au Portugal, il faisait du surf et tout, tu vois. J'étais là, je dis, bah ok, cool, tu vois, en France, en tout cas, il y a 12 ans en arrière, ça n'existait pas, tu vois. Et les gars étaient euphoriques, tu sentais une vraie culture sédentaire, tu vois, vraiment, où les gens savent ce qu'ils font, où c'est pas grave, le tatou, c'est cool, quoi. Et ça, c'était... Donc ouais, je comprends que tu sois attiré, il faut y aller, hein. C'est absolument... C'est un endroit... Pas en Europe, du moins. C'est vrai que, en tout cas, c'est bien barré, ouais. Ah ouais, ouais, carrément cool. Dans le bon sens du terme. Et du coup, au-delà du tatou, pour finir, vous avez des projets, vous avez des projets qui vont venir, ou là, tout est vraiment encore en stand-by à cause du Covid? Bah, on a quelques guests encore qui arrivent au mois de juillet. Ouais. Après, qui viennent à la boutique. Qui viennent à la boutique, okay, ouais. Après, projet, bah, nous, on a une collab avec justement le shop d'à côté, la ABS, qui va arriver dans pas longtemps, ouais, pour les 20 ans du shop, justement. C'est un shop de skate. Un shop de skate, ouais, tout à fait. En fait, c'est grâce à eux qu'on a, enfin moi, que j'ai trouvé cet endroit. Ok. Du coup, c'est important. Ils sont sympas, les skateurs, en bah, fait. Bah ouais, ouais. Mais ils sont pas si bêtes. Ouais. Non, et puis on s'entend toujours bien. Enfin, on est dans une petite galerie, donc forcément, on a envie de faire plaisir à nos voisins, on a envie de faire plaisir aux copains. Ouais, c'est une bonne. Et du coup, vous allez faire quoi? On a fait des décos de planches, planches pour les 20 ans de ça. Trop bien, génial. Ouais. Ah, ça, c'est... Et dans vos styles, ou c'était des... Bah, en fait, ouais, justement, ils nous laissent carte blanche. Et ça, c'est cool. C'est cool. Ouais, trop bien, la bombe, quoi. Ouais. La bombe. Et ça, c'est quand, du coup? Et bah, normalement, c'était prévu en septembre, parce qu'il y a le contest sur Annecy, un gros contest à chaque fois. Mais c'est un petit peu décalé, parce qu'il y a des soucis de matériel. Tu sais, comme c'est fait maintenant la plupart en Chine, ouais, les plateaux, voilà, et c'est un peu le bordel avec tout ça. Donc, ça va être peut-être octobre, novembre. Ok. Puis il y a les JO. Mais ouais, non, mais après, voilà, il y a plein de... C'est ça, il y a plein de trucs, quoi. Bon, les gars, merci en tout cas, ouais, c'était trop bien de parler de ça avec vous. Ouais. Et puis j'espère qu'on se refera des conves, parce que c'était bien sympa que vous avez fait, Genève. Bah, ouais, et puis on n'a pas bu de café, on a bu des bières parce qu'il est tard, en fait. Voilà. Mais c'est ça aussi le rock'n'roll. Exactement. Et puis merci de nous avoir écoutés. Et puis au prochain épisode. Salut! Ciao, ciao!